Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc encore cheveux attachés parce que il fait chaud. Donc là il est à peu près midi et demi, 1h, je sais plus. Je vais sortir les chiens et puis cet après-midi mission ça sera de tourner la morning routine avec Lexi. Mais je sais pas encore si je mettrai sur sa chaîne ou sur la chaîne principale, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Donc on va essayer de se faire ça mais je sais pas si on va y arriver. Donc je viens de commencer à filmer, enfin j'ai filmé les trois quarts de la vidéo de la morning routine que je voulais faire avec Lexi. J'ai du mal à me motiver finalement, j'ai plutôt bien réussi. En plus aujourd'hui Miss était très gentille et très consciente, elle a bien voulu se plier à toutes mes petites vidéos aussi. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donnera au montage, mais je pense que ça pourrait être plutôt pas mal. Donc la dernière partie, j'ai dit qu'il se couche encore dedans. Il y a la dernière partie, on la filmera ce soir parce que là il fait encore trop chaud. Parce que je voudrais filmer une petite partie en extérieur. Mais là il fait trop chaud pour aller dehors. Donc on essaiera ça ce soir en faisant une petite balade de fin de soirée. En espérant que, bah, avant qu'il fasse totalement nuit quoi. Et puis voilà. Et puis bah, là je vais faire du montage, regarder quelques vidéos. Et sinon aujourd'hui j'ai reçu la toutou box que j'avais commandée en solde. Et là c'est tout le petit papier de tout ce que je dois filmer quand je fais des morning routines, puisqu'il faut oublier aucun point. Oui donc j'ai reçu la toutou box comme je vous disais, donc il y a la moitié, donc la box découverte à 9,90 et la box friandise à 5,50. Mais tout est mélangé dedans, je vois pas la différence, il y a des trucs que je m'attendais pas trop à recevoir comme ça, donc on filmera tout ça dans une prochaine vidéo pour la chaîne principale. Je vais pas l'ouvrir parce que c'est un peu chiant à refermer, quoique. Bon allez, je vais te faire un bref aperçu. Vous avez des flyers, vous avez des jouets, vous avez des friandises, du shampoing, des trucs comme ça. Et donc voilà. Et je vous filmerai ça bah, quand je serai motivée. Pour l'instant, on fait une petite pause, transfert de fichiers, quelques montages et on se refroidit un peu parce que là, filmer des vidéos, c'est assez hard. Il fait très chaud. En tout cas, moi j'aime bien l'espace que j'ai réussi à grandir. Vous voyez pas trop, mais j'ai plus d'espace qu'avant dans la partie des toutous. Et je vous avais pas montré, hier soir je me suis mise à me faire un fond d'écran, j'en trouvais pas qui me plaisait, donc je me suis dit de le créer. Je suis une fan des motifs triangulaires, je pense que ceux qui commencent à voir mes vlogs commencent à avoir l'habitude. Donc j'ai forcément mis en noir et blanc parce que je veux une pièce très épurée ou jusqu'au fond d'écran sans noir et blanc. Et en fait j'ai mis tous les petits trucs les plus kawaii que j'affectionne en bas, juste histoire de faire une petite touche de couleur avec les choses que j'aime. Donc ceux qui sauront, bah, y a un petit panda parce que j'adore tout ce qui est noir et blanc, même si celui-là est pas trop noir et blanc, mais je l'aimais bien quand même. La petite Ariel, mon Togepi qui fait partie de mes tatouages, Mew qui fait partie de mes tatouages, Totoro qui fera partie de mes futurs tatouages, et Lucky tient un de mes personnages kawaii préférés depuis tant d'années. Un chien Merle qui est aussi en même temps un berger australien parce que c'est un de mes futurs chiens que je voudrais avoir. Un petit Shiba Inu parce que ça représente bien les petits chiens kawaii. Et un petit... je sais même plus comment il s'appelle ceux-là, les... Bref, c'est les petits triangles de riz japonais. Donc voilà, j'en rajouterai peut-être au fur et à mesure, mais voilà, c'est mon petit fond d'écran que je me suis fait. Je sais pas si vous vous souvenez quand je jouais à Amiibo, donc là oui, je rejoue depuis un petit moment. Donc au départ j'avais fait un univers très Ariel, très sirène, en fait je m'en suis lassée. Donc là j'ai commencé à refaire ma maison, donc il y a la façade qui a changé, il manque plus que le toit à bouger un peu, je suis pas trop sûre du mur que j'ai mis. Parce que je suis pas trop sûre qu'en fait l'ensemble match ensemble. Et en fait j'ai mis une nouvelle tenue, donc la tenue de Zelda. Zelda qui est la fille dans le jeu, et non Link qui est le mec. Donc voilà la tenue qu'il a, enfin qu'elle a, que je lui ai mis. Et en fait on va essayer de tourner autour de ça parce que mon copain a des amiibo sur Zelda. Donc normalement j'ai censé avoir Epona, la jument de Zelda qui est censée avoir habité. Donc si je la retrouve je vous la montre. Donc en fait Epona n'est pas encore là. J'ai eu peur mais en fait non, sa maison est en construction donc elle sera là demain. Donc on aura un nouveau personnage. Vous avez vu la tenue que j'ai. Je vais pas la porter tout le temps, hein, je préfère l'autre. Donc celle-là on va aller la ranger dans la maison. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que bah, les sorts doivent être faits, je sais plus laquelle, il y en a une, celle qui a la machine à coudre. Elle m'a donné un mannequin, et en fait, comme ça, j'en profite pour mettre les tenues que je ne veux pas porter, mais que je vais exposer. Donc voilà, et on va en profiter bah, pour accrocher celle... l'autre. Hop, on va reprendre ça, on va reprendre ça, et on va accrocher... Ah, il n'est pas bien en face. Elle est pas bien en face. Hop. Non. Voilà. Donc là, on a l'autre tenue de Link. Et puis, bah, moi, pour l'instant, je vais garder ma toge. Je l'aime bien. Je mettrai l'autre tenue plus tard.
Et puis, ben, on va voir s'il y a une nouvelle déco parce que je voudrais changer les murs qui sont mon ancienne chambre sirène. Je l'ai modifié. Et j'ai une lampe 8.